Qu'est-ce qu'un Mortgage Backed Securities? Les Mortgage Backed Securities, ou MBS, sont un type d'obligation représentant un investissement dans un ensemble de prêts immobiliers. Pour comprendre qu'est-ce qu'un MBS, nous devons expliquer ce qu'il se passe lorsqu'une banque émet un mortgage. Regardons comment un mortgage devient un MBS. Cyril veut acheter une maison coûtant 500 000 $. Normalement, Cyril devrait aller à sa banque et demander un prêt de 500 000 $ et en retour, elle paierait des intérêts sur l'emprunt. Disons 8%. Avant l'apparition des Mortgage Backed Securities, la banque gardait simplement le prêt dans ses boucles et recevait le montant nominal et les intérêts pour la durée du prêt, par exemple 30 ans. L'inconvénient de cet arrangement est que la banque devait garder ce prêt pour une durée de 30 ans, réduisant ainsi le capital et les ressources disponibles. Un jour, une banque a eu une idée. Pour enlever le prêt de Cyril de ses boucles et libérer du capital, elle peut revendre le flux d'intérêt de 8% ainsi que le montant nominal à des investisseurs. Cela permet à la banque de libérer du capital. D'une part, la banque s'enrichit en émettant des mortgages et d'autre part, facturant une commission aux investisseurs. Pour vendre le flux d'intérêt aux investisseurs, la banque regroupe le prêt de Cyril avec des centaines, voire des milliers d'autres mortgages. Ensuite, elle vend ce pack de mortgages à une banque d'investissement sous la forme d'une obligation unique. La banque d'investissement partitionne alors l'ensemble des prêts selon la qualité de crédit et revend ses tranches à d'autres investisseurs. Donc, bien que Cyril verse les paiements à sa banque, le prêt est en réalité entre les mains d'autres investisseurs. Les mortgage-backed securities sont essentiellement un moyen pour les banques de libérer du capital et permettre l'investissement dans les MBS. Pour mieux visualiser ce qu'est un MBS, regardons à présent quelques exemples sur Bloomberg. Voici un fonds de mortgage-backed securities de chez Goldman Sachs créé en septembre 2002. Nous pouvons voir sur ce screen Bloomberg que ce fonds est un SICAV et que les assets contenus dans ce portefeuille appartiennent à la classe du fixed income, comme vous l'aurez compris. Les rendements de ce portefeuille, de l'ordre de 1,3% par an en moyenne, nous confirment dans l'idée qu'il s'agit bel et bien d'un fonds fixed income. La net asset value, autrement dit la NAV, s'élève à 2,26 $ aujourd'hui, à savoir le 21 décembre 2015. La totalité des assets de ce fonds s'élève quant à elle à près de 172 millions de $. Si vous avez bien suivi la partie précédente, vous pouvez déduire que ce capital n'est pas le résultat d'un seul et unique mortgage, mais correspond en réalité à un ensemble de prêts en provenance des États-Unis. En jetant un œil sur le cours de ce fonds, on peut très nettement observer la crise des subprimes de 2008. Ceci résulte du fait que les subprimes sont en réalité un type de mortgage avec une qualité de crédit très faible. Grâce ou à cause des MBS, ces prêts dits toxiques ont pu être couplés avec des milliers d'autres prêts du même genre, offrant aux investisseurs une perspective de rendement nettement plus intéressante que les prêts classiques, mais également plus risqués. Pour s'en persuader, jetons un œil à la volatilité de ce même fonds de chez Goldman Sachs. On peut voir qu'en fin 2008, lorsque la crise des subprimes est à son apogée, que les volatilités s'envolent et franchissent des plafonds encore jamais franchis pour l'époque, atteignant des niveaux de volatilité 6 fois plus élevés qu'à la normale.